Ici on est donc en zone Thiérache, hein. C'est une zone herbagère, hein, à la limite de l'Aisne à Ardennes Nord. Donc on est sur une exploitation tout en herbe, hein. Il n'y a que des prairies naturelles sur une surface de 68 hectares. D'accord. Alors niveau culture, donc on élève des vaches laitières, 45 vaches laitières. Et après, il y a quelques vaches allaitantes et il y a un lot de bœufs finis à l'herbe. D'accord. Et donc, accouplé à ça, il y a 8 hectares de pré-vergers haute tige en mode biologique. D'accord. Voilà. Les animaux, ils ne sont pas en bio ? Non, les animaux ne sont pas en mode biologique. Je n'ai pas les surfaces nécessaires pour pouvoir convertir le troupeau. C'est une exploitation classique de la Thiérache en termes de type de production. Type de production, oui, sauf les vergers, parce que les vergers, il n'y a plus personne qui en a. C'est vraiment, on est quelques-uns sur la Thiérache, vraiment. Parce que dans le temps, il y avait une cidrerie à Vervins. Et il y a eu beaucoup de pommiers en Thiérache, mais au niveau des années 70-80, quand il a fallu moderniser, produire, tout ça. Les gens, ils ont coupé tous les pommiers. Puis la cidrerie a fermé aussi, donc tout le monde a coupé les pommiers. Il n'y a que juste quelques vergers qui ont résisté. Et voilà. Donc, bon, sinon, la dominante quand même, et l'alimentation, c'est le maïs quand même, hein, par ici. On est quelques-uns, pareil, dans les villages, deux, trois fermes qui restent à l'herbe, puis tous les autres, ils sont au maïs. Et donc là, ils ont c'est de l'enlubanage, parce que derrière, il n'y a plus assez d'herbe, donc on est obligé de les nourrir. Ouais. Donc là, il reste une dizaine de vaches, mais il y en a une trentaine qui sont sorties. Et là-bas, c'est un verger, alors ? Oui, là-bas, c'est un bastige aussi. C'est à moi, j'en ai pas beaucoup, il y a 25 ans. D'accord. Mais bon, il n'est pas en bio, il est en conventionnel là-bas. D'accord. Mais bon, il va sûrement disparaître l'année prochaine. Mais c'est intéressant, Ah oui, mais il faudrait qu'on passe de l'autre côté.